baptiser, c'est rester ici. C'est rester ici. Mais au moment où tu commences à en faire un peu de trop, maman, tu fais trop. C'est vrai, on dit on ne manque pas de respect à sa maman. Notre maman, c'est notre Dieu sur terre. Mais si la pauvre elle-même, elle-même, elle ne connaît pas sa place, qu'est-ce qu'on fait? On gâte tout. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Après tout ce que tu viens de faire là, je me rappelle des paroles de mon père. Je me rappelle. Je me rappelle des paroles de mon père. Et ça me fait mal. Ça me fait très mal. Je vois que tout ce que le vieux disait, c'était la vérité. Maman, quand je sortais avec mon papa, tu m'as gamé. Tu m'as gamé, tu m'as dit petit, de la manière vous êtes en train de faire les spectacles. Je me rappelle comme si c'était hier, en 2006. De la manière vous faites les spectacles, quand vous gagnez l'argent, ton papa, il prend pas l'argent, il met pas ça à la banque, il fait pas ça. Quand tu as grandi, ça sera bizarre. Tu m'as proposé quoi? Tu m'as dit de cacher l'argent. Tu m'as dit de cacher l'argent. Quand on sort, il cache l'argent, il me sacrifie. Attends, si ça là, le vieux m'a attrapé dedans là, moi-même, il sait. Le sang a trop coulé sur mon corps. Mon vieux m'a trop d'abat. Tout ça là, maman, tu n'as pas eu pitié. Tu n'as pas. Tu t'es pas assisé sur l'instant pour réfléchir un peu, pour te dire que vraiment, cet enfant là, il souffre, il a vraiment souffert. Moi, je ne peux pas l'abandonner. Maman. C'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais, maman. Je cachais l'argent. Je peux prendre 50 000. Jusqu'à mon oncle, là, Solo. Un jour, mon papa l'a attrapé. Parce qu'on a pris l'argent et mon vieux devrait nous fouiller. C'est comme ça qu'il a donné l'argent là. À Solo. Il dit à Solo, on est mort, papa va nous tuer aujourd'hui. C'est ce même Solo là qui nous a aidé. Quand le vieux l'a fouillé, l'a trouvé l'argent là, c'est lui. Il était découragé, mais c'est son petit frère, il ne peut pas le frapper. Mais il était découragé. Solo n'a pas dit que c'est nous, on lui a donné l'argent là. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis prêt pour Solo? Est-ce que vous comprenez pourquoi cet oncle là, c'est le meilleur oncle? À part lui là, il n'y a pas oncle que lui là, il n'y a pas. Non, on arrête, ne dites pas que c'est bon maintenant, je vais tout dire, parce que ce petit là, il commence à péter les plombs. Je ne suis pas ennemi avec lui, c'est mon frère, je l'aime, mais il est en train de mettre tout. Et quand c'est gâté, qu'est-ce qu'on fait? Dégamage, on parle plus avec quelqu'un, on n'a plus oreille. Dieu, pardon, vous dosez sur la famille, pardon. Non, non, Chesco, s'il te plaît, laisse-moi parler. Tu n'as pas vu combien de sorties j'ai fait ici pour demander pardon à ma maman. Voilà, tu n'as pas vu. Donc aujourd'hui, si je parle, c'est vrai, je pèse mes mots. Mais, c'en est de trop maintenant, j'en ai marre. Dieu vous prend, Aya, vous prend la main, Aya, je pense qu'on va ça demande. Je vois pas ça demande. Il y a trop de demandes. C'est, je pense que on veut savoir le sadique là. C'est à cause de lui, on est là, hein, tu vois, non. La famille là, c'est vrai, mais faut aller mollo, pardon. C'est que tu as mal, mais pardon, faut aller mollo. Au coup du Ryan là que on est là. J'essaye de faire monter Tata Aya, monsieur Blanc. Mais pourquoi quand il veut elle là?
C'est qui ça? C'est qui ça là? C'est qui ça? C'est qui ça là? Quoi là? Quoi là? Il faut descendre champion aussi. Il faut descendre champion s'il te plaît. Mais Dieu, fais le descendre. Mais Dieu, fais le descendre. C'est qui là? En tout cas, Dieu, tu vois, essaie d'expliquer. Bébé DJ. Tu vois, essaie de doser aussi, quoi. Vous m'entendez? Ouais. Faut doser côté ta maman. Joli Jo. Voilà, la vieille, là, faut Joli Jo, pendant, faut bouger un peu. Ah, non, tu vois pas ailleurs. Joli Jo, faut bouger un peu. Joli Jo. Oh, Joli Jo va me tuer. Joli Jo, bouge un peu, bougez un peu derrière lui, là-bas. Joli Jo. Ah, ça vous voyez comment vous faites derrière lui? Voilà. Tu essaies de te mettre un peu seul ou bien essaie de te donner un bon point. Jojo, mon fils, faut bouger un peu, bouge un peu. Quand tu vas vouloir parler, tu vas venir à la caméra. Tes amis là, laissez-le seul. Je veux te voir un peu seul. Sur la caméra, s'il vous plaît. Je vais te voir un peu seul. Jojo, faut doser, écoutez, maman là, faut doser. Toi-même, tu nous dis que c'est ta maman, tu vois. Essaye plutôt de la raisonner. Il faut la raisonner, tu vois. Va à l'essentiel sur le salon, là, pardon. Mais quand je sais qu'il a raisonné, c'est elle-même. Les amis, pardonnez, bougez derrière lui, laissez-le seul devant la caméra, après vous allez venir. Parce que quand c'est comme ça, là, ça fait genre théâtre. Elle ne veut pas. Pourtant, le gars, il est sérieux. Elle ne veut pas, tu vois. Elle ne veut pas, elle ne veut pas collaborer avec moi. Si elle n'était pas derrière ce petit-là, que moi je parlais avec elle, et puis elle appelait ce pédophile de merde là pour lui dire laisse mon enfant, je veux plus que tu sois près de mon enfant, sinon il a porté plainte. Petit là, laisse rallier. Mais il voit que la vieille même, elle est là-bas. Comment lui va pas rester avec elle? Dites-moi. Comment il va pas rester avec elle? C'est bon, supprimez votre demande. Hier, je descends pour refaire ma demande, on ne me voit pas encore. Supprimez vos demandes. Vous avez fait trop de demandes. Donc, quand ils m'envoient ma demande, on dit que ça ne marche pas. Je suis un fantôme. Ceux qui ne sont pas concernés, supprimez vos demandes. Je vais monter. Après, tout le monde va monter. Vous allez le réconforter. Je descends parce que je suis un fantôme. Non, mais moi, je vais parler. Franchement, mon cœur me fait mal. Sérieux. Mon cœur me fait mal, il ne peut pas rester comme ça à regarder le petit là. Jay. Ouais. Tu sais qu'il y a un moment de Zamou dedans, non? Vieux, faut laisser ça là. Pourquoi Zamou là? Moi, ça m'a pas appris. Mais pas ton esprit est fort, c'est pas tout le monde. Non. Pourquoi lui, tout mon petit là, lui là, Zamou l'a pas appris? Pourquoi ça l'a pas appris? Et puis c'est ma maman, sa part. Vous allez, en fait, moi je suis en train de parler doucement, c'est pas encore, je vous ai dit, je vais vous montrer des preuves, non. Vous allez comprendre en fait, vous allez comprendre. Je suis en train de parler doucement, c'est pas encore, je vous ai dit, je vais vous montrer des preuves. Arrêtez-moi ça. Je vais vous montrer les preuves, vous allez voir. Voilà, tout ce que je suis en train de dire là, je ne suis pas bête, je ne suis pas fou. J'en ai marre. Maman, je suis fatigué de tes trucs là, je suis fatigué maman. Tu es en train de dépasser les bonnes maintenant maman. Faut pas t'en mettre ta bouche dedans petit, pas mettre ta bouche dedans. Faut me laisser, regarde mon fait. Parce que il y a trop toléré les trucs, regarde comment mon nom est gâté actuellement. Toi même faut voir, ça là, elle sait que mon nom est gâté quoi. Mais là, ça lui dit rien. Tout ce qui l'intéresse là, elle se le sait. Elle sait c'est quoi. Donc ce petit là, vous va si moi, et tes autres grands frères, si moi, avec Ahmed, on s'active. De toute façon, tu es en train de parler là. Si on veut te trouver à Abidjan là, Abidjan est grand, mais c'est petit. Il faut te ressaisir. Petit, moi, il m'active et puis il te dit, il te cherche partout. Petit, quand il te trouve, il n'y a pas joué toi. Hein? Si tu es un garçon,
Si tu es un garçon, il faut monter encore dans la vidéo, tu as parlé de moi. Tu es un garçon, monte dans la vidéo encore, tu vas parler de moi. Attends, tu es trop bête, toi. Tu es trop bête. Moi, je te dis en même temps, hein, faut faire doucement. Hein, ben, là, quand il va partir en prison, là, moi, c'est chez moi encore, tu as venu. Petit, moi, il n'y a pas de rejeter, il y a des prendre. Mais les pompes, tu as fait là. Il a dit, en deux jours seulement, tu seras musclé. Tu as devenu, on dirait, l'homme vert. Tu crois pas? Il te regarde. Ahmed, envoie le téléphone là. Sans les preuves. Déjà, je vais vous montrer un peu. Attends d'abord, partagez le live. Déjà, partagez le live, partagez le live. Partagez le live. Partagez, tapotez le live. On n'est même pas encore à 5000 tapotages. Vous pensez que la vie est facile comme ça? Partagez, parce que c'est pour la vie que ça arrive loin. Il n'y a qu'à monter à 2000. Partagez, tapotez le live. On tapote, on partage. Je mets trop la facilité. On tapote parce que cette preuve-là doit arriver loin chez qui de droit. 5 000 tapotages. Quand on vous demande à vous sécuriser, quand on monte à plus de 10 000 personnes. 5 millions. Il faut que tu gardes. Avant d'agir, je sais que ce n'est pas de ta faute, mais on te gamme là. Tu n'es pas bête, tu es très intelligent. De toute façon, on te gamme là. Souvent là. Il faut faire attention à ce que tu dis. Ce live, on partage. Moi, j'appelle maman. Il a vu la vidéo. Mon petit frère m'a montré. J'ai vu la vidéo. J'appelle maman. Chaque fois, elle me dit que Booba est avec elle. Bon, ok. Aujourd'hui, elle appelle. Il dit Booba est où? Elle me dit Booba est avec elle. Donne-moi téléphone à Petit là. Elle ne peut pas donner téléphone à Petit là. C'est comme si elle est d'accord avec le fait que le petit soit avec Cécilia, malgré le fait de tout cet engouement autour de lui, tout ça, le bad buzz. C'est comme si elle est d'accord. Je suis désolé, mais c'est comme si elle est d'accord. Elle est d'accord. Je vais vous montrer les preuves. Maman. Aya, you peux. Attends, on va arriver à 5000. Bon, attends d'abord, Dieu. Il n'aura tapoté live, la partager, tapoté. Voilà. Les preuves vont sortir tout à l'heure. Il faut qu'on va à 5 millions de tapotages. Quand je vais vous montrer les preuves, là, vous saurez de quoi je parle. Vous allez comprendre. Et puis les dates sont là. Hein. Vous allez bien voir. Tapoté, on tapote, on partage les gars. On est 8000 personnes connectées, quand même, faites l'effort. 8000 personnes tapotées, allons à 5M. C'est dans les tapotages. 5M des tapotages. Tapoté. Voilà, aujourd'hui, Dieu est sorti. On est 8000. Il a des preuves. Il y a 8000 personnes à 3h du matin de la France. C'est que vous pouvez tapoter. Vous savez que moi, je vais sécuriser son live. Donnez la force, soutenez ce live là. Soutenez ce live. Protégez, tapotez, partagez. Allons en 5M de tapotage. 5M. On dort pas en classe. Quand on a sommeil. On dort pas. Si vous êtes là, c'est parce que vous voulez tout. 2500 personnes, 2500 tapotages, 2400 même. C'est vite fait. Il est dans Gbéré encore dans. Bon, ça, c'est pas Gbéré. Attends, je retire ma parole. Après, on dort pas en classe. C'est Gbéré après. Actuellement, il pèse mes mots. Sinon, il y a beaucoup de choses que il n'y a pas envie de dire là. Non, faut voilà. Après, ça me fait mal. Si sinon, c'est Cécilia seulement là, faut tout dire, mais la vieille, il faut doser. C'est à un moment. Si c'est Cécilia seulement là, faut tout dire. Faut même pas que je vais rester dans ton monde, on est prêt pour ça. Mais la vieille, il faut doser, pardon. Elle reste ta mère. Faut doser. Là, je vais essayer elle après. Les gars, tapotez live là, s'il vous plaît, partagez, protégez le live. On tapote s'il vous plaît la famille. On tapote, on partage, on a 3 millions, 2 millions.
On s'attire. On appelle maintenant, on pose un nom. C'est comment? Elle dit oui, il faut patienter. Bon, dépatienter pour faire quoi? Jean, tu veux ton Jeff? C'est l'argent que tu veux. C'est qui Jeff d'abord? Ça, c'est le bon ami. Joli Joseph Bon. Joli Joseph Bon, c'est sa vieille. Il ne faut pas l'encourager. T'appelles. Mais la vieille, il sait que si tu l'as attrapé, il connaît. Cécilia, permettre Bouba prend tout le monde sauf moi. Cécilia, l'enfant là qui dit que Ali est venu chez eux, chez Cécilia et tout, il allait poser question à l'enfant. En temps normal, quand quelqu'un ramène un enfant mineur chez toi là, tu cherches à poser la question à l'enfant. Où sont tes parents? Tu es venu faire quoi ici? Tu prends ton téléphone, tu appelles ses parents, mais tu lui demandes de rentrer à la maison. Ou le lendemain, même s'il va dormir, là, le lendemain, tu prends sa mère, tu l'accompagnes chez ses parents. C'est qui a fait ça? Il sort sa chérie, et comment elle s'appelle, la petite métisse, là. Vous venez raconter sa vie. C'est qui l'a fait? Jamais monté. Les enfants, ils sont manipulés par toi. Moi, je les aime. Je prends mon téléphone, je prends pour enregistrer. J'ai enregistré le jour où on a parlé. JS, je t'aime beaucoup. Là, c'est ou bien quoi, là, je t'aime. Vous êtes manipulés. Vous allez revenir à la raison que Dieu ouvre toujours vos cœurs. Je vais prendre 3 jours de jeûne pour vous. Je vais prier. Je suis mère, mon fils s'appelle Kilou. J'ai fait enfant garçon, donc vous êtes tous mes enfants. Je vais prier pour vous. Je vais commencer à rentrer en prière. Je vais voir Marco, ce va me donner des thèmes de jeûne. Je vais jeûner pour vous. Parce qu'on doit vous délivrer. C'est que vos parents ne font pas moi, mais je vais faire ça. Ceci est à peur de moi jusqu'à je ne sais pas. Hein? Laisse-moi hier monter, hier saluer mon petit Bouba. Il a sorti son son hier, écouté. Cécile ne veut pas que Bouba me prenne. C'était quoi ça là? Cécile, il ne mange pas l'homme, mais il veut juste te demander. Il ne mange pas l'homme. Si tu prends des villes, on sera d'accord. Toi en prison, tu as la marque avant, mais il t'envoyer des choses là-bas. Sinon, pour l'heure, là, tu vois, tu veux. On t'apporte Et puis, il y a Jean, lui là, il se lève. Et puis, il veut manipuler le mongol que non, c'est lui qui mougoule les gens. Lui, il prend cuit. C'est celui, son cuit, on prend bien, c'est lui qui il a quai des pas cuit de quelqu'un. Lui, bébé, tu peux dire les paroles là. Tu peux dire tes paroles. Tu dis que non, tu n'es pas bête. Tu dis que tu n'es pas bête. Ok, on a compris. Les vidéos dans tout. Vidéo est sortie, tu t'es fait en direct femme. Mais tu n'as pas vu, tu n'as pas vu ce qu'il a dit. Attends, je te fais écouter. Attends, je te fais écouter, il n'est pas. Finalement, il a parlé de ça, il a dit que le mot. Il paraît qu'il dit que le mot. Il se comporte comme femme, il a parlé de ça. Les gens disaient en commentaire, oh, joli jour, joli jour. Pour finir là, quand vidéo est sortie, vous avez vu que ce que vous avez dit c'était vrai. Il dit quoi? Petit, arrête ça, faut arrêter ça. Tché, faut t'assumer. Écoute. J'étais saoulé, donc je suis en train de claramata dans ma chambre pour ça. Écoute. J'ai ma une. Là, son bail, il avait fort. J'étais saoulé, donc je suis en train de claramata dans ma chambre pour ça. Il dit toi. Claramata, là, ça veut dire quoi? Il est en train de. Jean Moukou et toi, on dirait, je sais pas quoi. Elle est vous pommée interplanétaire. Là, tu vois ça, la même là, on dit, tu vas monter, tu vas descendre. Clara, pas là, ça doit être Béret et Mougou, entre les deux. Je ne sais pas trop si il y a des mots. Clara Batala, ça veut dire que soit il est avec toi, vous deux, en train de faire, ou bien s'il est en train de faire le Béret au téléphone, entre les deux.
Si c'est pas Mougouli, ça doit être Mireille. Il parlait au téléphone. La vieille mère. Oui. Ah, pardon, parce qu'il est en train de parler de moi. Oui. Ouais, vieille mère. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Dit que c'est toi qui l'as filmé. Oh, il ment, la vieille. Ah, oh, c'est la gesticulation. Ah, décalage, d'accord. Ça veut dire que décalage, d'accord, merci. Parce qu'en fait, ils ont rajouté les nouveaux mots dans la Oubikan. Hein. On dit c'est Clara Bata. On dit ça veut dire qu'il est en train de faire ses gestuels, là, de ça. Enfin, genre, de façon, il s'est remué, là. C'est ce gestuel oubistique, là. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'il disait. On met les roses pour le live, s'il vous plaît, la famille. On met les roses pour protéger le live. La mère, c'est jamais Dieu qui était dans la vidéo. Parce que lui, là, c'est un manipulateur. C'est Dieu qui le filmait, hein. Il dit c'est Dieu qui le filmait. C'est jamais Dieu. Lui, là, c'est un manipulateur. C'est un menteur. Il n'a pas montré preuve qui prouve, quelque chose qui prouve que c'est moi qui l'ai filmé. Même si c'est moi qui l'ai filmé, là. Et puis moi, je ne l'ai jamais filmé, en fait. Je ne l'ai jamais filmé quand il faisait ses bêtises, je ne l'ai jamais filmé en fait. Mais sa vidéo, ça, il a une vidéo là, je suis en train de chercher ça, où il était en train de danser Kuitata. Il a dit, si vous le voyez danser Kuitata là, vous n'allez pas croire. Hein? Mais ça vibre bien. Ah, déclaration. Mais attends, pourquoi les commentaires sont bloqués, ça passe plus? Mais avec un peu de sens. C'est pour ça que je demande aux gens de mettre les roues. C'est signal. Qui a fait des sons solo? Les commentaires ne passent plus comme attends. Tu veux les commenter là? Là, tu as fait oui. Moi, je vois les commentaires ici. Hein. Ah, tu vois? Oui, nous, on voit les commentaires. C'est chez toi là-bas. Ah ok, c'est bon. Il reste 4. Non, faut laisser tout cela. Tapoter le live, partager, s'il vous plaît. Attends, il y a une gêne. Charger. Toi là, tu vas avoir des problèmes. Mais attends, pourquoi quand tu fais des scènes, tu réfléchis pas encore? Bon, ça là, si tu vois, et puis on porte plein comme toi, tu vas faire comment? Où est ton chargeur? Je suis pas venu changer. On va pas être invaqué là. Bon, mon là, l'air déjà. On a 5 000 déjà même. Donc, tu peux aller mettre, tu peux mettre les pouces. Merci pour les tapotages, les partages. Merci. Merci, merci beaucoup, la famille. Mathieu, c'est toi qui as fait le dessin sous l'eau? Ça. D'habitude, là, c'est comme ça. Dieu. Ok, donc, je vais vous montrer les preuves de ce que ce petit là il disait là. Comme toi, joli jour. Oh, vraiment. Faut des camions. Joli jour, il parle beaucoup. Hein. Attends, ça c'est le premier message ou pas? Tiens, moi. Ça là. C'est qui là? Faut commencer par le deuxième. C'est le premier message. Non, c'est pas le premier. Le dernier. Ah, ça va, c'est ça là. Ouais, ça, ouais. Ok. Attends, montez directement, on voit pas bien. On voit. Non, ils vont bien voir. Ok, les gars, lisez, hein, ça c'est la conversation. Enlevez les commentaires, on va lire. C'est qui? C'est toi et Bouba? Non, c'est pas moi et Bouba, c'est lui avec son grand frère. Lui qui est ici, là. C'est lui. Maintenant, regardez la date. Ça c'est. C'est 28 mars. Lisez les commentaires, on va voir. On va rien. D'accord, il y a ça, chap. Si toi tu t'étais pas montré là, Non, c'est vrai, d'abord. Moi dans les paramètres. Ouais, c'est bon. Ok. Non, en fait, ici, il n'y a pas l'argent dans. Calme-toi! Oh! Sortez les paramètres. Vous êtes embrouillé comme ça dans le lab là, calmez-vous! Laissez-le sur le fait. Il y a trop de bruit où tu es même. Il y a trop de bruit. Laisse. Faut le laisser. Vous voyez? C'était mon petit. Tu peux faire la lecture? Ok. Bon, attends, je vais essayer de. Ça là, pour agrandir là. Mais c'est pas grave. La vie, on va essayer d'agrandir, d'aller bien voir. Attends.
Il m'a donné l'argent pour faire attention, bonjour. J'espère que ça va bien passer. On est pas toi, tu dis non. 8. Tu vois, c'est avant, tu peux faire ça. Envoie ton téléphone. Ça sera pareil. Midi, ça va bien passer. Donc, oui, ici, là, laisse le faire. Laisse truc là. Moi, je vais faire ça. Oh, c'est quel gars? Il y a un tout gros bruit là. Oui, ici. C'est ici, ça commence. Ok. Non, on est dans la caméra. Oh, bien, mon gars. On est dans la caméra. Comment on fait ça? Ok, je vais faire la lecture. Attends. Ok. Vous voyez, voici la date. Le 28 mars 2024. Vous voyez bien le message maintenant, non? Oui, oui, je vois. Ok. Faut déposer ta voix. Ok, attends une minute. En fait, non, moi je veux. Mais Dieu là, on voit pas bien, rapproche un peu. C'est parce qu'on est sur le panel. Sinon, quand tu prends un deuxième téléphone, tu vas bien. On a du mal à voir là. Non, tu es sur le panel. C'est bon, quoi? Non, tu rapproches moi. Tu rapproches moi. D'accord, moi, il y a fait les captures pour aller. Est-ce que vous pouvez m'envoyer tout? Vous pouvez m'envoyer les captures là, moi-même, je vais mettre. Ouais, comme ça, bon. Il dit non, moi, je lui. Attends. Attends, il dit non. Envoyez-moi tout sur le panel. Je lui ai dit pas tout, jamais. Elle-même, elle me demande pourquoi je me méfie d'elle. Moi, je trouve... Ils sont en train de parler de leur maman comme ça, quoi, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Il y a Bouba qui parle comme ça. Trop peur. Parce que moi, j'ai trop peur même. C'est elle qui a dit à tonton... À tonton Cécilia que j'étais à Babi dès qu'il l'a appelé. Elle lui a dit en même temps et puis elle a... Elle dit... Elle savait pas que moi, j'étais... partie, on dirait elle a peur de tonton Cécilia. Moi, mon sérieux, ça me fait mal. Hein. C'est vrai, il a l'argent, mais elle est notre maman. Elle prend pas cette responsabilité. Elle nous protège. Elle nous protège pas même. Bon, Grando, je viens dormir. Bonne nuit, dors bien. Ouais, mais ça, il y a pas de ça. Il est hypocrite, hein. Attends, tu veux changer de hypocrite. On voit pas l'autre à s'en sortir. Vas-y. Mais joli, je veux te calmer. Ou mais il y a quoi? Non, calme-toi. Deuxième message maintenant. On continue, hein. Ok. Deuxième message, tout en haut, il dit. Attends, je vois. Pas elle lui envoie message, il répond pas. Elle commence à pleurer seule. Je dis haï. Mais maman, pourquoi tu pleures? Mais pourquoi tu lis pas en haut ici là? Il faut lire ça. Et je jure. Attends, je commence à la page. Non, attends, et je jure, hein, je commence. Attends, je dis, mais c'est toi-même, t'as dit, et puis tu pleures encore. C'est ça, non?
je sais pas même, sérieux, mais mon cœur était chaud, je jure. Cécilia, la grâce ou bien, elle pleure à cause de tonton Cécilia. Aïe, descends un peu. Elle dit, à part l'argent que moi, ça me dit rien. Mais elle veut que ça me dise quoi? Moi, tout ce que je peux faire, c'est de partir à l'école. À part ça, je peux faire quoi d'autre? Moi-même, je voulais que tu viennes ici, mais toi, tu venis. Là, je n'ai pas trop compris. Ok, on dit ça, on continue. Il a dit, je ne vais pas venir. Change. Alors, ok, on continue. Troisième page. Attends, voilà, ici, là. Moi-même, je voulais que tu viennes ici, mais toi, tu venis. Moi, bon, montre le prochain message. Voilà, monte tout en haut. C'était en sixième. Elle m'a laissé seul là-bas. Elle n'est plus revenue. C'était en sixième. Elle m'a laissé seul là-bas. Avant que je passe grand examen, la J dit, vous allez venir. Descends. Moi-même, je parle à Ibrahim. Ça, tu lis en bas. Commence ici, là, puis tu descends. Bien. Mais j'ai commencé en haut pour descendre en fait. Mais Haï, tu n'as pas vu en bas dans là. J'étais en 6ème, elle m'a laissé seul là-bas. J'ai lu tout ça. Il a commencé par là avant de descendre. Bon, tu bloques quand tu lis là. Faut non, parce que je vois pas bien en fait les écritures là, c'est pour ça. Bon, ok, je lis. Avant que je fasse grand examen là, j'ai dit, vous allez venir. Moi-même, je parle à Ibrahim. Lui-même, il a commencé à prendre conscience un peu. Il commence à voir les réalités. Ok. Bref, maintenant, on lit tout ça, tu dis quoi? Si c'est bien comporté chez mon vieux père là seulement, je jure, Ibrahim va manquer de rien. Vieux père est trop bon, a trop bon cœur. Attends, donc, c'est ce qu'elle t'a fait aussi. Eh, hey, maman, j'ai appris que où elle était partie là, il y avait son gars. Elle était ok. Ça, on change. Faut pas changer le message. Ça, on lit pas ça. Change vite. Ok. Bon, voici l'autre message. Mm-hmm. Approche. Attends. Je vois un peu mal. À toute lui. Attends, rapproche un peu ta cam. Je vois pas bien les écritures là. Dieu était là. Mm-hmm. Mais c'est ça en fait, c'est ce qu'il est en train de nous montrer là. C'est la vieille qui est derrière tout ça. J'étais là. On n'a qu'à parler de Ryan là, non? Non, Dieu, c'est toi. Tu m'écoutes là? Oui. Mais ça, tu m'as envoyé. Pourquoi on ne voit pas ça ici? Pourquoi tu ça laisse trop gros? Oui, c'est ça, il a. Tu m'entends? Oui, et t'entends. C'est bon, on a vu. On a vu, on a compris ce que tu veux dire. Il aime Chaco la nuit là. Mais ça, j'en ai vu là-bas. Là. Il dit, maman aime l'argent là. C'est ça, il dit que les gens. Il a lu au commencement. Il a lu comment? Oui. C'est ça, il a lu comment? Ah, ça peut aller. Tu vois, il a vu, mais je remonte. Vous m'entendez? Je comprends ce que tu veux nous faire passer là. On t'entend. Je comprends, mais ça expose ta maman, quoi, tu vois? Non, mais c'est pour que les gens comprennent que là, c'est l'argent seulement qui l'intéresse. Ses enfants ne lui disent rien. Parce que Bouba lui-même, il est manipulé, il est très manipulé, ça se voit là. On comprend parfaitement ton message. Parce que quand il est avec vous, il dit autre chose sur sa maman. Quand il est devant les gens, il dit autre chose sur sa maman. C'est un petit manipulé, mais
Je veux montrer. C'est pas fait d'exposer, mais c'est la vérité. Je dois montrer, en fait. Voilà. Je t'avais dit que tu n'avais pas montré, non. Tu m'as dit quoi? Quand c'est comme ça, on n'est pas crédible. Quand eux viennent là, ils mettent bouillaka. Quand nous aussi, on vient là, on doit mettre bouillaka. Il n'était pas de ça, tu vas avoir pitié, quoi. Jean, il y a pitié. Il n'aime pas ça, hein. Si c'est ça, là, faut que tu as quitté derrière moi et te dire en même temps. Il faut te calmer, c'est vrai. Parce que là, on est en train de mener un combat actuellement. Elle, là, elle veut nous faire tomber. C'est ce qui est dans sa tête. Elle veut nous faire tomber. Voilà. Parce que je ne pense pas que si elle ne voulait pas nous faire tomber, là, elle n'allait pas se comporter comme ça. Elle n'allait pas demander à mon petit frère de monter dans le panel pour venir parler comme ça. Ou bien dire aux gens d'expliquer. Mais regarde ce que le petit dit sur moi. Jean, il est en train de dire que moi j'aime être bête, en fait. J'aime les bêtes. Moi-même, là, j'aime ça, en fait. Quand vous regardez ce petit dit, là, si on n'a pas mis ça dans sa parler comme ça, non, il peut pas faire ça. Faut montrer le message là. Dieu, ouais, envoie-moi si tu veux après hier voir comment hier c'est pour décaler pour montrer. Faut te calmer. Tu n'avais pas vu ça tout de suite là. Moi, il y a si tu la protèges, moi ça va me plaire. C'est vrai, c'est notre maman. Mais il aime pas ça. Hein. Faut pas t'en faire. Il n'y a pas ça ici. Non, Dieu. On fait plus ça. C'est fini. Voilà, c'est fini. J'en ai marre. Dieu. Parle doucement, non. Tu connais. Mais Dieu, le combat, là, c'est ça. Non, c'est comme si tu l'as oublié. De ça. Aujourd'hui, là, je m'en fous de tout ça, là. Voilà, c'est ce qu'elle veut, non. On va faire. Là. Pardon, faut te calmer. Je m'en fous de ça. Le combat, c'est contre Cécilia, Dieu. Il ne faut pas t'éloigner. C'est vrai que tu es énervé, mais pardon. Pardon. Et Cécilia, le problème, c'est la question, non. Laisse fâcher contre lui. Il faut que sa maman nous aide dans le combat. Elle soutient Cécilia, en fait. Non, moi, je comprends tout ça. Mais ce soir-là, on aimerait qu'il parle plus de Cécilia que de la vieille. Sinon, je comprends. Non, non. C'est pas à faire de... C'est pas... Et à faute déverrouiller. Déverrouille ça. Fais vite, voilà. Faut... Ok, on va lire ensemble. Mais Ahmed, pourquoi tu... C'est ça là, tu montes. C'est où? C'est pas là, il était là chercher ça en bas, tu dis qu'il y a un truc de montrer tout le monde. Faut montrer où, voilà. C'est pas ça là, non. Dieu va faire, bon, il va changer, je me dis. Peut-être c'est parce que il était là comme ça, dans la rue, qu'il faisait tout ça. Il y a un truc qui s'est passé. Mais après, je vais t'expliquer, quand je serai devant toi. Ok. J'avais mis Jay dans ma valise. Un oui de 75K. Quand je comptais donner 20 000 à maman et prendre le reste pour gérer l'école et venir à Abidjan. Je reviens, je vois pas 30K là. Je demande à maman, elle dit c'est pas elle. Donc, j'ai fait exprès, j'ai inventé une histoire que c'est l'ami de Jay qui m'a envoyé. Ok, vas-y, passe. Vous allez comprendre, vous allez voir à quel point maman, elle aime l'argent que ses enfants. Il dit de lui envoyer que je suis dans problème. Je sors, je reviens, 10K est revenu dans l'argent là. Je regarde maman, elle veut rire. J'ai dit c'est bon, je n'ai plus parlé. On descend, on vient ici là. Moi-même, je pensais pas qu'elle pouvait me faire ça. Hein. Ben, prendre mon argent sans me dire là. Au moins, si elle me disait c'était elle, c'était bon. Mais elle dit c'est pas elle. Ça m'a débattu. Ma propre maman me fait ça. Ça, c'est Bouba qui parle comme ça. Ok, attends, hein. Continue. Prends de l'argent de ton fils si c'est pas pour gérer quelque chose. Jean, son grand frère est en train d'essayer de le faire raisonner, mais il dit j'étais dans problème courant, Ahmed. Ok, on va à la suite. Comme tu veux me dénigrer là, allons-y ça.
J'étais dans problème courant Ahmed. C'est rien, faut laisser Wallahi. Elle a appelé Christine. Christine, c'est la copine de Booba. Elle a appelé Christine pour lui demander Jay Ahmed. Et mon petit frère Ahmed dit, sérieux? Et elle me dit que Christine a envoyé l'argent, allons retirer. Ahmed dit, maman. J'ai dit, mais maman, tu peux gâter notre nom maintenant, hein, et Dieu. J'ai pris téléphone là, j'ai ramené l'argent et j'ai dit à Christine que c'était pour voir si c'est une bonne fille et je me suis fait passer pour maman. Ahmed dit, tu as bien fait. Allons la suite. Écoutez bien, hein. C'est Booba qui parle comme ça. C'est à cause de ça, Mariam a laissé Jay payer. Elle s'est dit que Jay est pauvre. Mariam, c'est ma copine, c'était ma copine. Ok. Elle peut pas nourrir sa famille plutôt. Moi-même, j'étais dégoûté, hein, mais Christine n'a pas parlé de ça. Elle fait comme s'il n'y avait rien. Ce que moi, je vois, c'est comme si elle nous utilise comme chaque femme. Il dit quoi? Comment chaque femme de tes fils, tu les taxes? Ça gâte non-même. Ça là, quand on parle de Jay devant Mariam, elle dit le pauvre là. Lui que sa maman me demande l'argent chaque jour là. Maman a écrit à Mariam, Mariam l'a insulté. Pouf. On continue. Vous allez comprendre à quel point cette maman là, elle est prête à larguer ses enfants pour de l'argent. Il dit, je jure Mariam qui était fan de Jay Coran là. Maman a fait que Amou l'a quitté. Jay même m'a dit ça. Il m'a dit ça, c'est ce que j'attends même. Si Jay s'est marié avec Gola, c'est mal bon. Ça, c'est Booba qui parle comme ça. Petit qui s'est assis la dernière fois pour faire vidéo pour parler mal de moi. C'est lui qui parle comme ça, hein. Bon, toi, si la maman de ta go te demandait l'argent chaque jour, t'allais faire quoi? Jay est trop intelligent même, sérieux. On change, on continue. C'est fini. Ok. Tu es sûr que c'est fini? Oui, c'est fini. Mais ça, c'est, tout ça, c'est quoi? Oui. Continue, disons. Et où il a parlé de Cécilia là? C'est où? Ça, c'est au téléphone, c'est ce qu'il te disait déjà. C'est que moi, j'ai vu, mais ça, que j'ai vu quand on était à l'église là. Ouais, t'as pas vu le message, et si là t'es dit que c'est au téléphone, il m'a parlé de ça. Il t'a dit quoi? Oui, il m'a dit que Cécile l'a dragué, que ça à cause de ça, il dit qu'il ne paie plus son école, comme il a refusé. Il ne paie plus son école, donc lui, il a dit ok. Ok. Donc, maman Aya. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit là-bas. Cécile a dragué Booba, Booba a refusé. Et donc, Cécile a dit qu'il ne paye plus l'école de Booba. Quand ça? Il a dit ça quand? D'accord. Il a dit ça, Samuel, il y a un peu longtemps. Le consommer. Là, c'est en mars qu'il a dit ça. Ok. En mars. Maintenant, mon petit frère même qui est là, lui-même, il va vous casser les papos aussi. Là, vous allez comprendre que c'est pas du jeu. Ce monsieur, c'est pas garçon, c'est pas femme. On sait pas. Peut-être c'est animal. Ou bien ça, Toto. C'est un démon. Voilà. Il va vous casser un peu les papos. Et vous allez comprendre que c'est pas du jeu. Ça là, c'est une guerre qui a commencé comme ça. C'est une guerre qui a commencé comme ça. Donc, okay, active les commentaires. S'il te plaît. Il va vous expliquer un peu. Vous allez voir comment. Man, il y a quoi? Tiens. Commentaire. Faut plus t'a touché mon fou, y'a lui. Là, si tu fais tomber sur toi en Katanga, tu vas voir, y'a lui. C'est lui qui fait. Je l'ai comme moi là. T'as déjà fait ça, moi. Faut activer le commentaire. Je vais activer le commentaire. Je l'ai joué. Faut activer le commentaire. Pourquoi t'as mis une vue? Chien. T'as tout gâté là, mec. Dieu, Niki dit qu'il faut doser du côté famille là. Niki dit qu'il faut doser. Ah, celui-là. T'as qui est Niki?
Il sait, lui, c'est bon, il a accepté ça. Ok, donc Fatma Goul, maintenant, il va vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Vous savez, quand on parle là, on parle avec les preuves. Voilà, on parle avec les poules. Et puis quand quelqu'un qui ment là, quand tu écoutes sa version, et puis tu écoutes version de celui qui dit la vérité, comment tu sais que c'est la vérité? Il n'y a pas mille chemins, quoi. Il n'y a pas mille chemins. Lui, il s'est caché, il n'a pas assumé que c'est un bé. Voilà ça, aujourd'hui, vidéo de lui est sortie. Moi, même quand moi, j'ai vu vidéo là, même, il était choqué. Parce que la première fois, je l'ai vu se comporter, on dirait femme là. Genre, il m'avait invité un jour, on était parti en boîte de nuit. Mais moi, je ne savais pas que dans le coin, là, c'était le coin des bains. Tu vois. Donc, vu qu'il me dit que c'est mon grand frère, moi, il ne peut pas. Est-ce qu'on est arrivé là-bas, là? Moi, il ne parlait pas à quelqu'un, hein, parce que c'est lui seulement que je connaissais. On est arrivé là-bas, il voit tout le monde est bizarre de l'autre côté, tout le monde se comporte, on dirait femme. Tiens, c'est bizarre. Où vous êtes parti, là? C'était à 13 000. Non, c'était pas à Trècheville, c'était à Yopougon. Attends, ton petit frère disait non d'une boîte de nuit là. C'est boîte de nuit des gays, non? Quel petit frère, lui là? Non, pas lui. Quand ils étaient en train de faire leur live là, ils disent qu'ils étaient dans une boîte à Yopougon. Ils ont dit non d'une boîte de nuit là. Fernand, c'est pas une boîte. Hein. C'est quoi? Bon, c'est un jeu de bâtis fermé. Ah, c'est pas pour les gays? Non. Il y a un coin de gays à Yopougon, oui, oui. Il y a une boîte de On est en train de boire. Un coup, les Mongols sont en train de danser. Je vois mon vieux Mongol en train de se lever. Et puis danser que tata normal. Yeah! Mais quand il a vu ça, l'ami, il était choqué, les gars. Il était choqué. Mais il a envoyé sa demande même à Yacete. Attends, c'est celui-là qui danse Kutata. Il a dansé Kutata et puis il a attrapé fait là comme ça. Et puis il danse Kutata, il dit, il descend. Là, ça vibre quoi. Non, au fait, Dieu dit, il est là, il s'est dit, remonter. Lui là, c'est un Bouddha Kourou, c'est un vrai Bouddha. Ceux qui en veulent beaucoup de demandes. Allô? Tu dis, danse Kutata. Ouais, pas d'autre. Quand ma demande, je dois te dire, j'ai formaté, je dois te dire, je m'en profite pour me faire monter ici. D'accord, il y a fort. C'est que vous faites. Supprimez d'autres demandes. Y'a pas d'autre. Supprimez d'autres demandes pour le faire monter. Vous voyez? Donc le gars, il descend comme ça et puis il monte. Il descend, il monte, il fait là, il fait que le go attrape et puis elle danse dans les films là. Attends, on dirait qu'on ne me voit plus, hein. C'est bloqué. Ça passe. Mais pourquoi les commentaires sont bloqués? On voit les commentaires, on te signale donc c'est ça. Oh, ils sont en train de me signaler. Ah, okay. Voilà. Donc, il le regarde, il ne croit pas que là, c'est mon vieux Mongo qui est en train de faire ça là. Pourtant, quand on est en ville comme ça là, et puis il gonfle ses épaules courant, tu ne peux jamais savoir que là, c'est un père, jamais que là. Il est trop fort. Et puis il est serein. Mais là, je te jure, toi, tu seras démasqué. Si tu veux, regarde. Tout ce que tu es en train de faire actuellement, tu manipules ma maman. Faut profiter. Alors là, c'est ton temps. C'est ton temps, mais ton temps là, ça va finir bientôt. Ça va finir. Voilà. Il faut profiter. Profite. Un jour là, il t'a dit un mot. Il t'a dit dans la vie, quand tu veux tuer une personne, ça ne te coûte rien d'être humble. Quand il t'a dit ça là, tu t'es posé les questions, tu ne savais pas de quoi il te parlait. Mais c'est ça qui est arrivé. Tu vas tomber. Tu vas mal tomber, je te jure. Tu es en train de regarder ce live, mais moi, il t'a dit, tu vas tomber. Parce que c'est pas enfant de tout le monde on prend pour mettre dans ça là. Et puis, il va rester dedans. Non. Pas moi seulement là. Il dit, à cause de moi seulement là. Toi, tu as tombé, il y a de juste et tout. Je suis un enfant de Dieu. À cause de toi, il est gêné pendant une semaine. Tu as vu comment il est maigri, non?
Il est jeune, il demande à Dieu, faut pas, il va te laisser, tu vas t'échapper. Faut pas aller quelque part, faut rester. Dieu là, il va t'empêcher, tu vas pas sortir, tu vas rester. Même si tu es parti là-bas, ça sera la même chose. Voilà, moi je ne regarde pas le live, il faut parler, les panels, non, l'émotion, non, moi je ne suis pas dans ça. Hein. Mais c'est ce qui est la vérité là, je dis. Et je pensais que tout ce temps, j'étais dans mon coin et puis je réfléchissais. Je me disais que si ça, j'expliquais ça aux gens, les gens allaient me rejeter, les gens allaient me blâmer, les gens allaient se moquer de moi. Mais quand j'expliquais ça, beaucoup de personnes se sont senties en moi. Et j'ai reçu beaucoup de messages. Beaucoup de messages pour me soutenir. Et puis c'est que les filles seulement. Hein. C'est que les filles. Il y a des commentaires négatifs dedans. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est ceux qui m'envoient les messages et ceux qui m'ont fait plaisir, qui ont fait cagnotte pour moi, tout ça. C'est ceux-là que moi, ils regardent. Voilà. Tu pensais que j'allais dos, je suis trop dos au mur, jusqu'à y laisser. Tu me dis que moi, il va tourner, il va venir devant toi, il va me mettre à genoux pour te demander pardon. Champion. Tu as menti, hein? Tu as menti même, je te jure. Tu as menti. Peut-être c'est ma vieille, comment elle te soutient actuellement, ça te donne non. Mais là, faut pas t'inquiéter. Ça là seulement là, on laisse ce côté là, Dieu va gérer ça. Oui là, ça a quitté dans ses yeux. Babaji, tu as fait là. Ça va quitter. Forcer ça à te laisser. Lui là, c'est un démon, hein, les gars. C'est un démon, je vous dis, c'est un démon, il est très dangereux. Laissez-moi faire monter Badges. Solo Badges. Il y a d'autres demandes. Il y a 100 os aussi qui veut monter, donc il sait pas, faut supprimer certaines demandes. Faut supprimer beaucoup de demandes. Il n'y a pas de modérateur, donc c'est un peu compliqué, quoi. Et le gars, t'as coûté le live, là. Voilà, t'as coûté le live, là. Moi, il y avait un modérateur pour l'aider. Son nom, là, c'est où, ça? C'est Kim Lorian. Kim Lorian, là. Tapoter. Les gars, excusez-moi, continuez de tapoter, partager. Mets-moi en modo. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Mets-moi là, j'ai fait ton live tranquillement, j'ai Ok, comment on fait ça? Clique sur moi. Tu cliques sur moi, tu actives tous les trucs de modo. Mais toi, t'es mon petit, t'es malade, il y a des barbiers. Donc, attends. Désormais, on l'a appelé Cecilia Cutata. Désormais, tout le monde en commentaire, Cecilia Cutata. C'est bon, tu as tout mis. Mais attends, on cherche Aya, attends. Quand tu cliques sur moi, tu vas sur les trois points en haut. Jolie, je clique sur moi. Quand je vais sortir, tu vois, tu as plus les trois points qui sont en haut. C'est là-bas. Mais il n'y a pas trois points, en fait. Quand tu cliques, il n'y a pas trois points qui sortent. Clique sur moi. En fait, tu cliques sur moi comme ça pour sortir mon profil. Oui, tu vois, oui. Sur ma photo. Quand tu cliques, il n'y a pas trois points qui sortent. Sur ma photo, plus en haut là-bas, tu vois rien. Ah, ça ne sort pas. Jolie Jo. Okay. Ça sort heureux. Hein? Ça sort heureux. Attends, il y a commenté. Pourquoi pas mon commentaire? Regarde dans les commentaires. Prends mon commentaire, tu cliques sur moi. À partir de mon commentaire, tu cliques sur moi. On va. Je viens de mettre coucou. Tu me vois dans les commentaires? Non, tu vas voir. Tu vas voir, ça. On t'a vu maintenant. Ça passe pas. Quand on clique là, c'est bloc. Ça rejette.
Yeah, tu avais mis un d'un coin où autoriser les gens à être modérateurs. Là, faut pas tirer là. Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Attends, ouais. En tout cas, tu as besoin là. Les gars, n'oubliez pas de tapoter live là. Hein. On a 8000 personnes qui nous écoutent. Donc, tapotez, s'il vous plaît. Ouais, maman, c'est bien fait. La même, c'est bon, t'es modératrice maintenant. Voilà. Mettez tous en commentaire, c'est là qui t'attend. Les champions, c'est bon maintenant, c'est bon, on a compris. C'est bon. Tu as tout activé, regarde, tu as tout coché. Ouais, il y a tout coché. Cécilia qui t'attend désormais son nouveau nom. Ok, maman, pour faire monter solo, solo baguette, puis tu fais monter Kim L'Oréal. Vous dites de prendre qui t'entend solo? Déjà, ici, là. Il n'a pas fait sa demande. Attends, Kiki. Kiki, mon pied. Voici mon fauteuil, c'est pour soutenir. Solo, refais ta demande. J'ai fait une poste pour demain de supprimer. Prends Kiki, mon téléman, il est sans os. Je prends qui? Kiki, mon téléman, il est sans os. Je dois prendre qui encore? Il va pas Kiki. Kim L'Oréal, ma petite soeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regarde, tu dois nous mettre en truc. Va dans le truc là, parce que là, on me dit non. Faut aller dans le carré dont je t'ai dit là. Ouais, j'ai. Faut nous mettre dans le carré de 8. Donc il reste d'autres places. Kiki, fait ta demande sans os, je vous vois pas. Je vois pas Kiki, je vois pas sans os. Attendez. Non, appuyez sur vous, vous allez vous mettre en grand. Il est un peu. Est-ce qu'il ne voit pas Kiki, elle? En attendant, tu supprimes les demandes inutiles et puis tu attends et il continue à parler en attendant. Oui, parlez, il y a géré. Mettez-vous en grand, cliquez pour vous mettre en grand. Cliquez sur vous pour vous mettre en grand, je gère. Bébé sans os, tu peux parler. Mais je dis bébé sans os. Bébé DJ. Maman, est-ce que vous me voyez? Mets-toi en grand, tu n'es pas en grand. Kylian, t'as me blessé, elle allait là. Qu'est-ce qu'elle dit là? Le live va attaquer, on ne voit plus rien. Le live va attaquer, elle s'est attaquée mystiquement. Pas, là, on ne voit plus. Bon, c'est bon maintenant. Tapoter, partager la caméra. Faut te mettre en grand, remets la caméra sur toi. Ouais, Kiki. Kiki, fais ta demande, tu n'as pas, tu n'as pas fait de demande. Il y a des Jay. Attends, il dit de prendre sa petite sœur. C'est 2, 3, 5, 8. Il y a 8 ans. Il y a 8 ans, il y a activé quelque chose. Il faut laisser ça en commun, c'est bon. Donc, mon petit frère va vous parler un peu de sa mésaventure avec... Tu n'es pas te mettre en grand et faire monter les gens, sinon je ne peux pas aller là. Mais je suis en grand, vous ne me voyez pas. Clique sur toi pour te mettre en grand. Bon, moi, je te vois en petit ici. En petit. On te voit en petit, NG. On te voit en petit ici. Parce que là, je ne peux plus faire monter. C'est bon sang, on s'est monté. Cherche ta soeur, je l'ai vu tout à l'heure. Dis qu'on va changer.
Aïcha, refais ta demande. Tati, s'il vous plaît, tapotez, envoyez les fleurs. Là, c'est gâtier. Voilà, c'est bon. C'est bon, je vais faire descendre. Ok, est-ce que bébé est déjà un grand chez vous? Non. Moi, je le vois. Non, il voit pas même. Non, il est en petit. On voit même pas. Bébé, tu cliques sur toi. Clique sur toi, on va te dire, mets-toi en grand, tu te mets en grand. Il dit moi-même, il ne voit plus, Daniela, il ne se voit plus. Regarde, éteins ton téléphone, tu vas dire, tu reviens dans le live. On te voit ici, on te voit ici. Bébé, tu éteins ton téléphone là. Tu me ramènes, tu reviens là. Tu fais comme si tu veux lancer le live, on te dit, reprends le live, tu reprends. Tu éteins ton téléphone, tu reviens, le live est attaqué. Mais quand tu reviens... Fais comme si tu veux lancer le live. Quand tu vas vouloir lancer, ils vont te dire répondre. Tu cliques sur répondre le live. Fais attention à ne pas nous jeter par terre. Voilà, c'est mythique. Bon, c'est bon, oui. Ok. Jay, moi je voulais savoir en dehors de toi, est-ce que toi tu peux confirmer que Cécilia a eu des aventures avec des mineurs? Tu dis quoi? J'ai dit au-delà de toi, de ton expérience, ce qui t'est arrivé. Est-ce que tu peux nous confirmer que Cécilia a eu des aventures avec des mineurs, avec des jeunes hommes? Mais oui, bien sûr. Oui, parce que même quand en 2015 ou 2016, là, il y avait un enfant qui dansait, un petit qui dansait, il a pris le petit à Gagnon, le mettait à la maison. Il ferme la porte sur lui et puis il sort, il s'en va, il fait ses courses, quand il finit, il revient, il ouvre la porte sur le petit. Ah, c'est grave, hein? Aïcha, tu peux te muter, s'il te plaît. Moi, je sais pas quoi. Genre, quand on vous parle, quand on parle aux gens, les gens, pourquoi les gens ne croient pas? Non, mais au fait, c'est toi qui dois nous expliquer au fur et à mesure, tu vois. Non, il a trop fait ça avec les petits, sérieux. Il a trop fait ça. Même avec mon petit frère. Faut expliquer un peu comment ça s'est passé. Faut attraper, déjà expliquer. Bonsoir tout le monde. On dit bonjour. Bonjour. Bon, au fait, là, il a parlé de Booba d'abord. Booba, c'est mon petit frère. Parmi tout le monde, il cause beaucoup avec moi. Et il m'expliquait un peu. Quand il y avait eu discours où il était chez Cécilia, il m'a appelé, il a commencé à m'expliquer. Ah, Ahmed, il appelle maman pour raconter des bêtises que moi, je sors et m'en vais chercher femme. Je ne reste pas tranquille. Oh, pourtant, il est là me draguer, comme j'accepte pas, il dit non, il va plus le produit. Que si les vacances finissent, comme on lui rentre, il rentre à Divo, et puis maman va l'appeler. Donc moi, il dit, mais tu as expliqué ça à maman au moins, non? Il dit oui, mais maman l'appelle encore. Kim, ça tu fais ton micro, pardon. Maman l'appelle, maman cause avec lui. Maman appelle Ryan, elle continue à causer avec lui. Et c'est dit, mais aïe, c'est la même chose, comment ça m'est arrivé? Parce que. Cécilia. Parce que quand on est. Oui. Quand nous on est guitar simple drôle, puis il a fait ses bêtises sur moi, Cécilia. Il a fait ses bêtises sur moi. Quand on est arrivé à BJC, directement, il a appelé moi, ma maman en même temps. Il a commencé à raconter que moi, il a manqué de respect. Aïe! Qu'est-ce qu'il a fait pour expliquer ce qui s'est passé à Saint-Pédon? Faut bien expliquer. Moi, étant encore petit, depuis de la manière que Cécile se comporte aujourd'hui avec mon petit frère, c'est de la même manière qu'il se comportait avec moi. Genre, il me donnait l'argent. Bon, en tout cas, il s'occupait bien du monde. Il me donnait l'argent de bouche. L'argent que je veux, là, il me donnait. Mais moi, il ne savait pas qu'il était comme ça, au fait. Donc, un jour,
un jour, on était parti faire des achats, tout et tout, et on était dans sa voiture. Et il m'a posé une question qui est, ah, si tout de suite, là, un garçon enlève 1 million, un tonton comme ça, enlève 1 million, vient déposer, que lui, il a envie de toi, tu vas réagir comment? J'ai dit, aïe! Moi, je ne peux jamais accepter ça. C'est quoi tout ça, là? Il dit, tu es sûr? Est-ce que tu as bien entendu? Il te repose la question encore. Il m'a posé la question. Il dit, je ne peux pas accepter. Et il enlève les 1 million. Cette Cécile enlève les 1 million pour déposer. Il regarde, c'est pourquoi. Elle dit, est-ce que c'est elle? En fait, ça m'a découragé en même temps. Il ne savait pas que genre, elle était comme ça. Il regarde les 1 million. Il dit, mon papa m'a perdu que comme ça. Je ne peux pas accepter. Cécile m'a dit, il faut réfléchir encore. Allons-y à la maison. On a bougé en piste, même pour dormir même. C'était, il y a gens, il n'y arrive pas à dormir. Tellement que les gens, ils pensent à ça. Ouais, c'est lui. Hey, après les trop sérieux pendant un délire. Ça fait mal au cœur. Et les jours ont passé. Mais il faut expliquer ce qui s'est passé à Saint-Pédro. Ah, à Saint-Pédro. Oh. À son, il continue à faire ses bêtises en piste là-bas. Donc c'est comme ça, moi et mon cœur là. Mais moi, nous dans nos familles, on a un gros cœur. Moi, il me manquait de respect. Et c'est comme ça, il appelait ma maman. Moi, il appelait ma maman, il racontait tout. Et ma maman, quand ma maman me parlait, elle ne pouvait pas gâter tout, il disait rien même. Il disait rien d'abord. Je disais rien, maman parlait. Quelqu'un qui est bon comme ça, la personne vous a pris, la personne veut se couper. Dieu, vous êtes calmé. Jamais déconcentré, c'est lui. Moi, je vais parler. Hein. Ma maman m'appelle, la personne. C'est un sujet très sérieux. Et ma maman a commencé à parler sur moi. Ils t'ont pris, la personne veut s'occuper de toi. Il dit, maman, ça fait mal. Ça vient. Ça vient, il va t'expliquer. Alors, tu comprends pas, tu me demandes rien, non, mais ça vient t'expliquer. Et les jours ont passé. Un matin, Cécile avait dit, ah, il m'en va sans plus trop. Hein. Ces jours, mon grand frère était venu à la maison, il est venu me saluer. Il a salué tout le monde et puis partait. Ça me dit, ah, Saint-Pédro, dis la belle chic, hein, que moi je vais venir. Cécile m'a dit, tu es venu. Il dit, ouais, il est venu. Ok, allons-y. Donc, comme ça, de là, là, hein, c'est pas pour dire que les gens, ils savaient que c'est demain. De là, là, il a pris mes barrages, on a bougé à Saint-Pédro. Quand on est arrivé là-bas, on a pris la même résidence. Le soir, on est sorti, maintenant, on a mangé. Le soir, Cécile m'a dit, après toi, on sort. Et là, à fois, il n'y a pas de souci. On est sorti, on est parti s'amuser. Moi, je ne buvais pas l'alcool. Hein. À cause de Cécile, j'ai commencé à boire, consommer l'alcool. Je buvais Codis, Coca, voilà. C'est ce que moi, c'était ma boisson. Et quand on sort comme ça, Cécile m'a dit, si tu ne bois pas, il ne veut pas acheter ta Codis. Il dit, faut boire, ça fait quoi même? Mais c'est quoi, il se comportait? Donc moi, il goûtait un peu, on buvait les chinois un peu. Et puis après, il m'en va prendre, même souvent, mais quand il envoie boire, puis il m'en va changer en Codis neuf. Donc c'est comme ça, on est arrivé dans le maquis. C'était bien beau. Là-bas, c'est le boss de là-bas. Tout le monde s'incline. Donc, donc on était pour et Cécilia me demande, tu veux boire quoi? Il dit, je veux boire Coca. Ah oui, mais ça, tu vas jamais boire ici. Il faut choisir une boisson. Et tu peux pas boire ça. J'ai assez, moi, j'ai boire ça. Pourquoi? Ses amis étaient là. Ils ont commandé pour eux. Donc moi, ils regardent à côté, ils regardent à gauche, à droite. Ils voient boisson, c'est joli en or d'une manière. Il regarde, il a demandé le nom. Il y a un de ses petits qui me dit Despé. Il dit voilà, Despé. Ils ont commencé à rire en même temps. Ses amis ont dit, tu connais ça là? Il dit, moi, il dit, je connais pas, mais tu as goûté.
Et on va en envoyer une bassine pour moi seul. On dit qu'il faut pas que quelqu'un va toucher. Aïe! Excuse-moi, mon frère. Okay. Tu avais quel âge? Il y a longtemps? Ah, il y avait. Oui, quoi bien? 14 ans. 14 ans, bien. Hein? 15 ans, ouais, quoi bien. Donc, okay. Quand j'ai pris la boisson, quand j'ai goûté, j'ai su que la boisson était alcoolisée. Donc, il dit, mais aïe. Il dit, aujourd'hui, là, tu as bois. Tu veux boire, non, tu as bois. Il dit, à la fois, il n'y a pas de souci. Hein. Genre, on était là. Et puis, son petit a dit, c'est comme ça. Ce qu'on va faire, comme il y a les petits au dehors, on prend un peu plus souvent. Tu fais comme si tu en pissais. Et puis, arrivé là-bas, tu verses. Parce que lui, là, il le connaît. Il sait ce qu'il veut faire. Il dit à la fois, il n'y a pas de souci. Donc, c'est comme ça, il fait comme s'il me lève, comme s'il m'avait pissé, il m'avait renversé ça dans le vessie. Et puis après, il m'avait massé encore. Et puis, c'est comme ça, jusqu'à. Il dit, bon, il était 2h, 3h, qu'en rentrant. Il dit à la fois, on est monté dans sa voiture, on est arrivé. Dans l'immeuble là, où elle a rési. En bas là, juste à côté, il y a un banc encore. C'est comme ça qu'on est descendu. À moi, il fait comme si il a commencé à me jouer, comme s'il s'est saoulé. Comme s'il s'est saoulé. Et j'ai même failli me battre avec lui. Laisse-moi, il ne te connaît pas. Donc, ce sont les gros bras même qui sont venus. Qui, ah, le boss, il y a quoi? Il dit non. C'est mon neveu. Il ne veut pas m'écouter. Il est saoulé. Qu'il est venu m'aider. Il dit il ne faut pas que quelqu'un va me toucher. Hein. Il a commencé à crier. Et Cécile a dit non, laissez-le un peu. Quand il va reprendre ses esprits, il va monter. Cécile est montée. Donc moi, je suis rentré dans le bar en même temps. Comme il y avait un peu d'argent sur moi, c'est comme ça, il a pris. Il a pris Codice, il a bu. Quand il a fini comme ça, je suis rentré dans la résidence vers les 4h. 4h. Je suis parti me coucher. Pendant que j'ai couché, je vois moi, mon ami garçon, moi me caresser. Et c'est là qu'on commence à faire bruit dans la résidence. Bruit jusqu'à. Il n'a même plus dormi, il est assis. Jusqu'à dès qu'ils ont dit 5 heures. Puis il était 4 heures, il était déjà presque 5 heures. Cécile était énervé. Cécile a dit ah, on a qu'à prêter notre bagage, on rentre à Abidjan. Donc moi, il dit à fois, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai apporté mes barrages. On est monté dans la voiture, on attendait quelqu'un, la personne est venue à 6 heures, on a pris la route. Il dit dans la voiture, ils m'ont insulté, ils ont parlé sur moi jusqu'à ce dès que moi j'arrive chez lui, piller mes barrages. Il va rentrer. Moi, il disait rien, mais moi, j'étais fatigué, il n'a pas dormi, il dormait sur moi. Puis on dit, ah, ça, tu dors. Jusqu'à arriver à Abidjan, je me rappelle très bien si mon grand frère n'a pas oublié. Je suis parti, je suis arrivé. Dès que je suis arrivé. Où tu m'as venu me dire? Dès que je suis arrivé, mon grand frère est venu me voir, il explique en même temps. Il dit, hein, donc tu vois maintenant. Il dit, ouais, qu'est-ce qu'on est là? Il a fait, qu'il n'y a pas de souci. Moi, je vais prendre mes barrages, je vais quitter. Puis, dans les bêtises qu'on moi, je ne suis pas dedans. Il ne faut pas lui manquer du respect. Et puis, il va appeler maman pour raconter des bêtises. Donc, c'est comme ça, moi, il a pris mes barrages. Où j'habite à la Riviera 2, je suis parti déposer mes barrages, puis je peux y rester là-bas. Et c'est comme ça, maman m'a appelé. Ma maman a commencé à me citer. Que ton gros cœur, tu veux mettre ça partout. Quelqu'un qui est bien comme ça. J'ai dit quelqu'un qui est bien. Quelqu'un qui est bien parce qu'il a l'argent. Tu vois pas ce qu'il fait. Ton enfant, là, il veut que moi, il accouche lui. Elle dit, hein. Et Jean, elle est bloquée. Elle dit, tu es sûr. Elle dit, tu penses que moi, quoi. C'est un oubli. La personne veut quelqu'un coucher lui à cause d'argent. Il dit, il veut pas. Donc, il te raconte des bêtises. Il me dévance en même temps. Il te raconte des bêtises. Toi aussi, tu comprends rien. Tu commences, tu viens m'insulter. Elle dit, ah, moi, il pensait qu'elle allait l'appeler au moins. Elle allait appeler ceci là. Ah, faut plus t'approcher de mes enfants. Elle dit, non, laisse. Qu'il faut rien dire. Rien dit. Ah, ma grande surprise, elle continue à causer avec ceci là jusqu'à. Mon petit frère va partir rester, il va s'occuper de lui. De la manière qu'il s'occupe actuellement de Booba là, c'est comme ça qu'il s'occupait de moi. C'est parce que moi-même, je ne suis pas dans les bêtises. Et puis, il me cherche.
Bouba, depuis qu'il est petit, c'est quelqu'un qu'on gâte. Ils ont dit, l'argent, il aime l'argent. Donc, quand il le comprend, c'est normal. Actuellement, il blague avec l'argent. Il y a beaucoup de choses que Bouba m'a dit à propos de Cécilia. Au téléphone, à propos de Cécilia. Aujourd'hui, moi-même, ça m'étonne que je vois que mon petit frère monte. S'il live, il commence à parler mal. Que moi aussi, je voulais accepter quoi. Pourtant, maman sait que ma maman, elle sait que Jean, Cécilia est oubli. Mais elle laisse mon petit frère là-bas. C'est ça, au fait, mais c'est ça même qui m'étonne. Ça, moi, quand on causait avec lui et faire des messages où il parlait un peu de mes moments, tout et tout, je l'ai envoyé. Bouba, aujourd'hui, c'est lui-même, il sait tout. Actuellement, si lui-même, il est venu vers nous, tous les papos vont être cassés. Donc, il fait du principe du petit. Il monte beurre, c'est là même il va donner 500 000 au petit. 500 000 l'argent pour le blaguer. Il fait l'œil du petit même. Mon petit frère monte là et puis il parle mal de mon grand frère. Autant il sait que s'il est divin, il ne peut pas parler mal. De la manière que lui-même. Hein. De la manière que tu le vois comme ça. De la manière que tu le vois comme ça, il a mal peur. Il a mal peur de nous. Aujourd'hui, il monte là, il défend Cécilia à cause d'argent. À cause d'argent, tu trahis ton propre grand frère. À cause d'argent. On te donne combien même? Moi, depuis qu'il était avec Cécilia, il m'a donné combien? Puis ça a changé ma vie. Maria, si c'est pas 100 000, et ça dépasse. Ça remonte même pas dans 200 000. Vous me blaguez pour que Jean ait couché avec lui. C'est quoi tout ça? Ça, là, l'argent, ça peut te faire réussir. Ça peut pas faire réussir. Moi, il me cherche, je suis un danseur, il danse. Et puis, je suis fier. Je suis très fier, même. Il ne peut pas venir devant un garçon. Mon ami, un garçon va me dire de me courber. Il va prendre mon derrière. Ou bien lui-même, il va se coucher. Il va prendre son derrière. C'est impossible, même. Jamais de la vie. C'est pour ça, ici dans mon coin, à cause on parle de l'affaire des petits frères de bébé DJ, en montant, ils ne m'ont jamais vu. Même bébé sans ce là, il me voit en spectacle, il sait comment il est gros. Quand il le voit, il dit, ah, grand frère, c'est comment? Mais voici, c'est moi. Il sait comment il est gros, il m'a même cherché. On se voit dans beaucoup de coins. Il a dit, mon fils, lui qui était vous dans la voiture, en venant de San Pedro, là, c'est qui? Lui qui était avec nous. Quand? C'est quand? C'était pas lui, c'était une dame qu'il a pris. Il a pris Abidjan pour aller gérer les bails là-bas. Ça, là, moi, il sait pas ce qu'ils ont fait gérer. Ok. Il gère beaucoup de bails. Cécilia gère beaucoup de bails pour avoir son argent. Et puis ça, moi, il va même à bouger dedans. Ça me regarde pas même. Tout ce qui moi me regarde, c'est à propos de mon grand frère, mon petit frère. Actuellement, c'est tout est gâté. Même moi, voilà la dernière fois où Cécilia disait qu'elle ne voulait plus causer, avoir affaire à ma maman et puis Bouba. C'est ma maman même qui m'a appelé que Bouba est parti faire que je. Elle commence à parler dans mon oreille. J'ai dit, mais est-ce que Cécilia vient de notre famille même? Chef, faut la boire, faut la laisser. Elle dit, ok, Fredo, il dit, si tu l'appelles, elle n'a pas décroché, laisse-la. Faut plus l'appeler. Le jour, Cécilia t'appelle là. Faut pas décrocher. Mon grand frère même a causé avec elle, faut pas décrocher. Même Bouba a causé avec moi. Il dit, non, lui, il ne veut plus avoir affaire à Cécilia. Non, ça, c'est la dernière fois avant que Jean, lui, s'est rallié à eux. Là. Avant que Jean, il s'est rallié à eux. Tout dernièrement. Donc, comme c'est gâté maintenant sur les réseaux sociaux, c'est gâté, on entend ici, on entend là-bas. Là. Il est revenu vers ma maman et il a appelé. Maintenant qu'il a appelé maman a décroché son causé. Je ne sais pas s'il a envoyé un jet. Dans combien de mois elle appelait, il ne décrochait jamais. Il dit, il ne veut plus s'occuper, il ne veut plus avoir rien. Là. Que sa maman dit... Puis il va s'occuper, puis il va causer avec nous. Voilà, tranquille. Nous-mêmes, ça nous arrange. Parce que
Ce gars-là, il nous a... Et puis, une chose encore, il nous a divisé. Et quand moi, j'étais avec lui, il m'envoyait dans beaucoup de coins des médicaments. Ça, là, ils n'ont pas encore parlé de ça. Il partait consulter les féticheurs. Les féticheurs, il partait consulter beaucoup. C'est la vie de mon grand frère. Un jour, on arrivait à Kumasi dans un coin. Dans un coin. Tu es une femme? Ouais, je suis une dame. Qui? Maman. Moi, il cherchait. Maman, j'ai maman. Je suis une dame, et puis il m'a dit non, il doit faire des sacrifices de temps que. À cause de ses rouilles. Hein. Donc, moi, il dit à Foy, puis allons-y. Et puis, ce jour, je devais prendre un dia avec lui. On est arrivé. Là-bas, il voit, il est là, consulter. Et puis, consulte sur la vie de mon grand frère. La vie de mon grand frère. Et puis, il me dit que, ah, actuellement, là, tes parents, côté papa, là, ils veulent tuer ton grand frère. Pourtant, c'est lui-même à la base, il veut tuer mon grand frère. Il me dit, tant que moi, mon grand frère n'est pas venu, c'est moi, je ne peux lui demander pardon. Là. Mon grand frère, il ne va jamais réussir. Que lui, sait où il est rentré. Si lui, il est parti au Burkina. Et puis il a failli faire les trucs sur mon grand frère. Que mon grand frère soit encore. C'est que lui-même, il va se tuer. Tu es mort. On peut être obsédé. Tu es mort là. Faut, la nuit, il n'y a qu'à partir de dormir. Il ne faut pas me réveiller. Il ne faut plus jamais me réveiller. Et puis, ceci là même, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle me sait très bien même. On peut être obsédé de l'homme. Ah, moi, je ne comprenais pas même. Je ne comprenais pas parce que, je ne sais pas, tu as vu quoi sur mon grand frère de bon, je ne comprenais pas. Tiens, je ne comprenais rien même. La partie où il dit, qui a présenté Cécilia à la famille de Jay là? Quand lui il était Jay là, à quel moment il est arrivé dans votre, il a débarqué vous tous quoi dans sa vie? Je n'entends pas bien. Il dit, qui a présenté le monsieur là dans votre famille, à part Jay, est-ce que c'est Jay qui vous l'a ramené ou c'est lui qui est parti vous trouver? Bon, je ne sais pas si c'est Bouba ou bien les enfants qui sont partis l'envoyer chez la grande famille. Hein. Et Jay, on ne causait pas trop avec la famille à cause des problèmes de la famille. Hein. On ne causait pas trop. Tu n'as pas compris la question. Comment toi tu as connu ceci? Comment tu es arrivé dans sa vie? Bon, c'est à cause de mon grand frère. À cause de mon grand frère. Parce que comme mon grand frère était là, on était un grand sang. Maintenant, moi, il partait à Rivera 2, je revenais, il partait à Rivera 2. Donc, un jour, mon grand frère a voyagé. Je ne sais pas s'il avait eu un spectacle. Et puis, c'est pour ça que. Au Mali, on était parti. Au Mali. Mon frère, c'est pas. Ils sont partis au Mali. Et puis, c'est comme ça que je suis revenu. Moi, avec mon grand frère, on ne causait pas jusqu'à. On ne causait même pas, même pendant un moment, un bon moment, on ne causait pas. Donc, c'est comme ça, un jour, il m'a contacté, puis il m'a dit, ah, petit frère, il y a longtemps que tu es où? C'est comme ça, on s'est croisé, puis on est parti chez Cécilia. Moi, je ne connaissais pas Cécilia. Arrivé là-bas chez Cécilia, je suis tombé malade, c'est comme ça, je suis resté là-bas en même temps. Je suis tombé malade même, c'est comme ça, je suis resté. Et puis, Cécilia m'a dit même, ici, c'est comme chez toi, il faut rester si tu veux. Tu ne peux pas y prendre tes affaires. Tu vas venir rester ici. Que moi-même, je vais vous aider. C'est ce que Cécile m'a dit. Hein. Et puis, c'est comme ça, moi, je suis resté. Donc, si on veut dire, c'est à cause de mon grand frère, il a connu Cécile. Ok, mais Jay, toi, tu peux mieux nous expliquer, non? Parce que tu ne voulais pas que ce monsieur approche ta famille. Donc, comment tu dis que. Il est rentré en tas comme ça dans ta famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tout à l'heure, quand je causais ton petit frère, je ne sais pas ce qu'il racontait là. Donc, comment le gars, il a réussi à atteindre ta famille comme ça? Bon, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas d'abord qu'il avait ce genre d'idée-là dans sa tête. Toujours quand lui parle là, il sait jouer avec le mental, le mindset des gens. Toujours quand il parle, il s'adresse aux gens que moi je veux t'aider, il met l'argent devant. Donc moi je savais pas. Moi-même à la base je ne voulais pas qu'il se présente à ma famille, tu vois. Parce que pour moi, déjà, vu qu'il m'a fait des propositions indécentes, tout ça. Moi, pour moi, c'est une honte de le présenter à ma famille. Ben, il me disait que tôt ou tard, la famille allait savoir. Tu comprends, non? Voilà. La première fois que lui et nous, on s'est connus, on est parti dans une boîte de nuit
Bon, c'était même pas une boîte de nuit, c'est un maquis. Au Maroc, là-bas, là, il y a Carrefour Antenne. Il y a un Carrefour, quand tu prends, tu vas tout droit, quand il y a les maquis qui sont alignés comme ça, c'est là-bas. On était en train de danser, quand on a fini. Et puis, il s'est approché. Il a dit que lui, il veut, genre, il veut causer avec nous. Et puis, moi, je l'ai écouté. Il y avait un danseur là, qui s'appelle Sandy, qui était là. Et puis il a commencé à dire, ouais, vraiment, vous êtes talentueux, je vous apprécie, nanani, nanana, que vous êtes vraiment fort. En tout cas, j'ai la machine, tu as fait un son, pas ça, ça m'a trop touché, tu es talentueux. Après le son là, on t'a plus vu, tu es passé où ça? Je me suis dit, ah, ça va pas, hein, à l'heure, tu vois comment on sort, on se demain, on se cherche, non? Et puis il dit, d'accord, que là, et si je veux vous aider, comment on va faire? Celle-là, il a dit, bon, je veux votre numéro. En ce moment, moi, je n'avais pas de téléphone. Donc, je lui ai dit de prendre le numéro de mon danseur, là, Sandy. C'est parce qu'en ce temps-là, c'est lui qui était mon manager. Du coup, il a pris le numéro de Sandy. Et puis, ils ont commencé à causer là-bas. Tu vois, non? Voilà. Donc, c'est comme ça. Après ça... Mon petit frère, où j'étais à la Palmeraie, mon petit frère est venu. Il est venu me voir. Moi, il ne voulait même pas que Jean il monte. Et il arrive en piste là-bas. Mais le Mogo, il a tout fait pour voir mon petit frère. Il a tout fait pour voir mon petit frère. Dès qu'il a eu contact avec mon petit frère, il dit, ah, c'est comment? Toi, tu es qui? Et puis mon petit frère dit, ici, ah, c'est mon grand frère qui est là. Je suis son petit frère. Il m'appelle la mère. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci. C'est comment ça va? Et la famille, tout le monde va bien? Ah, d'accord. Il y a quoi? Et puis il dit, ah, il ne me sent pas bien, je suis malade. Ah, d'accord. Il n'y a pas de t'inquiète, on va gérer ça. Et puis c'est comme ça que mon petit frère, tu vois, non? Mais après ça, là, quand il est parti, là, moi, il n'est plus permis que les autres, là, viennent. Lui-même, là, il est parti les chercher. C'est-à-dire, Bouba et consort Ibrahim, là, il est parti les chercher. Lui-même. Il les a pris. Et puis, il les a mis chez ma grand-mère là-bas. Quand il est arrivé chez ma grand-mère aussi, là, c'est mes petits frères là, qui l'ont envoyé là-bas. Mais eux-mêmes, ils ne savent même pas comment il a fait pour connaître là-bas, en fait. Ils ne savent pas. Premier jour, il est arrivé là-bas, il s'est présenté, il dit qu'il est le producteur de Bébé DJ, tout ça. Et puis après ça, un autre jour, il m'a dit de venir l'accompagner. Il ne savait pas que c'est là-bas qu'on partait. On est arrivé là-bas, il dit, aïe. Dans mon cœur là-bas, il dit, mais comment lui, il a fait, puis il a connu ici. Tu n'es pas mort. On est parti, on s'est assis. Ma grand-mère a commencé à parler. Elle a dit, ah, vraiment, merci, que Dieu te bénisse, tout ça, les doigts où. Parce qu'elle pensait que lui, là-même, c'était un bon homme. Entends, c'est Satan, Lucifer, même, qui est là, qui est devant nous, et puis on ne sait pas. Le cutata électrique. Donc c'est un peu ça. C'est ce que tu voulais savoir, non? Qu'est-ce que... Oui, c'est ce que je voulais savoir parce que... Bon, j'avais écouté déjà cette histoire, comme tu as dit, tu voulais pas qu'il approche ta famille et tout, tout, tout. Et qu'un jour, il avait débarqué comme ça avec tes frères, tout ça. Donc j'avais demandé ça aussi à ton petit frère. Et il avait dit que c'était pas vrai. Bon, bref. En tout cas... Et ce que je voulais aussi savoir, c'est que est-ce que pendant toutes ces années que tu as été avec lui, il a insisté plusieurs fois, à chaque fois, il voulait toujours sortir avec toi, tout, tout, tout. Et il y a eu d'autres histoires des autres enfants. Bon, ça, moi, je voulais poser une question, non? Quand Jean, vous avez commencé votre collaboration, là, Jean, vous n'avez pas signé de papier, hein? Non, premièrement, on n'avait pas signé de papier. C'est ce que je dis. On n'avait pas signé de papier. Parce que à la base, là, c'est comme si c'était mon grand frère. Lui me mettait en confiance. Il me disait que là, je suis ton grand frère. Faut pas avoir peur. Moi, je te veux pas ton mal. Je veux te faire du bien. Je veux te faire plaisir. Quoi.
Voilà, moi, je vais te donner l'argent, tu as fait tes sons tranquille. Il ne faut même plus que tu as sorti pour aller danser en boîte. Maintenant, si on doit sortir là, on partit, on paye les boissons, on va boire, c'est tout. Et puis, je vais te donner l'argent, tu as mis. Tu vas aller en dire tes petits frères et puis tu avances un peu, tu es soutenu un peu dans le mouvement, c'est tout. Voilà, c'est un peu ça. Justement. Donc, moi, c'est pas ma question. Qu'est-ce que tu peux continuer avant? Ben souvent, genre, avec les contrats là, il peut avoir trop la main sur bébé Didier et tout ça là. Et vous pouvez le poursuivre même en justice, tout ça, c'est pourquoi j'ai demandé. Ouais, non, mais le contrat même, c'est pas, il n'est pas encore expliqué. Parce que quand il me faisait des avances, je résistais. Il voyait que genre, c'était pas allé avec ma gamme en fait. Genre, moi, je ne suis pas ce genre de personne, tu comprends? Du coup, le gars, il a mis contrat. Et le jour où on a signé contrat là, il y a un gars qui s'appelle Vini. Il dit c'est son cousin d'après lui. Il dit le gars s'appelle Vini. Il est déjà dans un live là, Vini là. Voilà. Donc après lui, il y avait moi mon témoin là. Il s'appelait Festi. D'accord. Voilà, on a signé contrat. Et puis quand on était en train de signer contrat là, il dit c'est le contrat que tu veux, non? Parce que moi, il lui disait toujours, mais tu m'as fait la proposition là, tiens, tu m'as dit que tu veux travailler avec moi, tu veux être mon producteur, il y a foi, allons sur une base de contrat. Là, au moins, moi, il sait que là... C'était pour combien d'années? C'était deux ou trois ans. D'accord. Je comprends. À fond. Voilà. Donc, quand on a fini de signer, il a dit un mot. Il dit, c'est contrat tu veux, non. Il n'y a pas de souci, tu vas voir. C'est contrat tu veux, maintenant on va respecter les clauses du Kodja. C'est pour me montrer couleur de dents de écureuil même là. C'est ça, il voulait me montrer en fait. Moi, il savait pas. Le contrat allait devenir une cuisinière à pression. Oui, oui. Bonsoir. Marie de Londres, Aya Robert, la petite. Samasoko de Genève, bonsoir. Moa, mon jumeau, bonsoir. Bonsoir, pardon. Tout le monde. Tiesco, le sultan. Écoutez, Aya, écoute. Je viens juste apporter un petit truc. Vous regardez un peu le petit contretemps qui s'est passé de BDJ a maigri un coup comme ça. Tu vois, c'est un petit qui a subi. Moi, au départ, franchement, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte et tout. Mais quand Marie parlait, quand Aya Robert, bon, on va dire Aya Robert, ben moi, c'est ma petite sœur, je l'appelle Marie. Mais Aya Robert, la poutine, quand elle parlait et quand elle a lancé le litige de l'enfant, franchement, j'ai dit, mais attends, un enfant qui se retrouve dans ça, c'est que c'est lui qui a mis ses pieds, nanani, nanana. Mais franchement, avec les explications que j'entends aujourd'hui, franchement, le petit, on part d'un mois ou deux semaines en arrière, l'enfant a beaucoup maigri. Ça veut dire que c'est quelque chose qui l'a atteint. Ça l'a atteint. Marie, toi-même, tu vois, le petit a maigri. Moi, tu vois. Samasoko, tu vois. Tiens, ce que vous voyez. Il y a un mois, quand bébé DJ parlait, il était bon. Mais là, il a maigri. Ça l'a beaucoup atteint. Marie, moi, tout ce que je peux te dire là, devant toute la nation, je ne sais pas combien de personnes qui nous suivent en ce moment, bébé DJ, tu as de grandes personnes sur ton panel. Tu as Aya Robert, tu as Tiesco le Sultan, tu as Samasoko de Genève. D'accord? Mon amour, tout ce que moi je peux te dire là, moi t'es mon bébé, toi et puis moi on sait, tu comprends, ils sont prêts pour toi, c'est pour ça qu'ils sont là, d'accord, t'as plus besoin de te livrer ou bien de faire des conneries pour qui que ce soit. Marie peut se lever matin là, elle te dit qu'elle te produit et puis ça chauffe pas, tu sais. Elle fait plus de 5 millions de elle fait plus de 10 000 personnes connectées. Elle peut te produire de là à là. Donc, tu t'enlèves dans tout ça. Après ce direct-là,
Moi, je ne vais pas te dire qu'il faut monter encore. Tu ne montes plus dans des panels. Confie-toi à tes grands frères et tes grandes sœurs qui sont Marie, qui sont Tiesco, qui sont Hassan Ayek, qui sont As Diesel. Tu comprends? Même moi, confie-toi à eux. Et puis, tu n'as plus rien à dire. Tu veux sortir un son là. Aïe, Marie a fait litige, tu as vu un peu. Tu as vu Petit. Tu n'as plus besoin de ce monsieur dans ta life. Il n'a plus besoin d'être dans ta vie. Non, lui-même, il fait ça. Lui-même, tu te libères de tout ça. Et puis, tu te confies, tu te mets dans la main de tes frères. Tu te mets dans la main de Marie, Aya Robert, ah, la ça, petite. Ma gérer ça, ma tia, gérer ça en privé avec lui. Non, t'inquiète pas. Non, non, ça, non. Non, il est en train de s'expliquer. Moi, je suis venu apporter quelque chose, c'est tout. Quand je fais, j'ai pas besoin de gérer ça en privé. Ça m'a sauté que non, j'ai pas besoin de gérer ça en privé, s'il te plaît. Pardon. Moi, je suis en train de dire à l'enfant qu'il peut